Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, je vais te faire un petit tutoriel qui va être extrêmement rapide. C'est un tutoriel qui est qui sert à YouTube en fait. Voilà. Mais qui sert pas spécialement à faire quelque chose sur YouTube, mais plutôt à transformer ton YouTube en version dark ou de version foncée ou version noire et grise. Alors pourquoi passer en noir et gris? Pour moi, je trouve que au niveau contraste, c'est beaucoup plus sympa. Même si au début, quand tu passes sur la version noire, ça change un peu, donc tu es un peu perturbé. Mais je trouve ça beaucoup plus sympathique. En plus de ça, je trouve que vu comme c'est réorganisé, c'est beaucoup mieux que la version actuelle. Voilà. Alors pour ce faire, c'est très simple. C'est très très simple. Je sais qu'il existe des méthodes en passant par la console du navigateur et en rentrant des lignes de code. Voilà, celle-ci exactement. Et en fait, tu peux l'avoir en version noire. Donc en fait, si tu veux, les mecs de Google, ils travaillent tout le temps. Les mecs de Google qui s'occupent de YouTube travaillent tout le temps pour faire des nouvelles versions, des mises à jour, tout ça. Mais ce n'est pas tout de suite disponible au grand public. Donc là, ça te permet en fait de l'avoir dit tout de suite. Il n'y a pas de bug, tout fonctionne, pas de problème. Donc, on rentre dans le vif du sujet, comment faire? Donc, quand tu es sur YouTube, voilà, youtube.com, tu vas cliquer là à côté et tu vas faire slash new, N-E-W. Hop, tu appuies sur entrée, tu vas arriver sur cette page. Donc, toi, à la place d'accéder à YouTube, parce que moi, je l'ai déjà fait, tu auras un bouton, c'est essayer. Donc, tu cliques simplement sur ce bouton et tu vas arriver ici, sur la nouvelle page YouTube. D'accord? Alors, oui, tu vas me dire, c'est pas noir. Oui, parce que je l'ai déjà désactivé. Tu peux la désactiver et la réactiver. Donc là, je vais la réactiver. Tu vas arriver sur cette page, en fait. Donc, la page noire de YouTube. Et je trouve que, sincèrement, c'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus visible, beaucoup plus sympa, je trouve. Voilà, je trouve que c'est mieux. Après, chacun ses goûts. Pas de panique, tu pourras tout à fait désactiver le mode noir et repasser en mode blanc. Pour ce faire, tu vas cliquer sur ton petit pseudo, là, ton petit icône, ton petit avatar. Tu vas aller sur thème foncé, hop, et tu vas le désactiver ou l'activer. Voilà, simplement. Et tu peux voir qu'ils ont tout réorganisé dans ton menu là YouTube. Donc tu auras accès directement à ta chaîne, Creator Studio, changer de compte. Voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Tu me diras ce que tu en penses juste en dessous dans les commentaires. Ce tuto, eh ben, il est déjà fini. Je te souhaite une bonne journée. Tu n'oublies pas, pardon, s'il te plaît, de mettre un pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Si tu ne peux pas me blairer, si tu n'as rien à foutre de ce tuto, tu mets un pouce rouge. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!